L'âme de Souleymine. Lion, victime du temps capricieux de la région. Alors attends, non, non. Deux elfes ont été retrouvés morts à l'emprise du lion, victime du temps capricieux de la région. Des indices retrouvés à leur campement suggèrent qu'ils avaient découvert l'emplacement de la lame de Souleymine dont parle le folklore dalassien. Cette épée a disparu pendant la deuxième ère, et bien qu'il s'agisse d'un artefact historique, elle constituerait une arme formidable. Les agents de l'Inquisition devraient pouvoir remonter la piste des elfes jusqu'à l'emplacement de la fameuse lame. Récupérer les épées aurait de quoi impressionner nos potentiels alliés dalassiens, surtout si nous sommes prêts à partager des informations sur celle-ci. Donc on va faire ça. Leyana, la lame de Souleymine, a la réputation d'être l'une des armes les plus remarquables jamais forgées. Le récit de sa perte est jalousement gardé, mais la folie de Corypheus nous concerne tous. Si l'épée peut servir à l'Inquisition, elle nous sert tous. Au cours de la marche exaltée de Delacy, un groupe d'elfes fit couler le sang d'innocents avec cette épée en essayant d'alimenter une magie pour affronter l'ennemi. Au lieu de cela, ils furent punis pour leur barbarie, foudroyés par des esprits surgis du voile. Quant à l'épée, elle gît à ce jour sur les terres maudites, brisées, et quiconque la touche subit le même sort que les elfes. L'épée existe, c'est certain, mais en ce qui concerne la véracité de la légende, les récits censés effrayer impliquent souvent une bonne dose d'enjolivement, mais il ne serait pas étonnant qu'un événement réel se cache derrière tout cela. Neria, premier apprenti de l'archiviste Elindra du clan Ralafairin. On va y aller. Ah, il faut aussi savoir que la carte de Vivienne, elle a changé entre temps, j'ai fait sa quête. Alors si vous la trahissez, le tout est rouge, et là je ne l'ai pas trahi, donc tout va bien. Donc je vais prendre Solas, Cassandra et Serra. Juste pour l'emmerder parce que c'est une ruine elfique. On y va. C'est donc ici que la lame de Souleymine a été perdue. Perdue ou mal utilisée. Si elle n'a jamais été récupérée, il doit bien y avoir une raison. Alors, fouiller. Ah bah c'est de l'or. Bah je vais être riche, tiens. Pillage. Les temples, c'est pas vraiment un truc en... Alors en vrai, ça me mettrait très mal à l'aise de faire un truc pareil. Ah, pour pas lire le bout de papier, il a l'air récent quand même. Hein. Saut de cochard, merci pour le saut de merde. Alors, Vir Tanadal, la voix de l'arbre triple, vive et silencieuse. Virasan, la voix de la flèche. Qu'est-ce que... Merde. Vir Tanadal, la voix de l'arbre triple, pied tel l'arbrisseau. Vir Borasan, la voix de l'arc. Alors je vais pas aller en dessous, pas tout de suite, hein.
Pousse-toi, putain. Prudence, cet endroit est bien trop calme à mon goût. Pièces d'or. Pour mon dépit. Ah d'accord. C'est une partie de l'épée. Ils ont exécuté un rituel qu'ils ne comprenaient pas. Il semble qu'ils en aient payé le prix. Ce cadavre était possédé par un démon de l'orgueil. Je doute qu'il fût le seul. Il doit y avoir d'autres hôtels. Ben, il y en a d'autres. Alors... peau de grands ours, parfait. Oh misère, mais il y a tout un tas d'étages. Cette quête, vous l'avez seulement si vous trouvez les deux fameux elfes qui sont morts dans l'emprise du lion. Là, je vous l'ai montré la dernière fois, hein, quand on était à l'emprise du lion. Vous savez très bien où ils sont maintenant. Bon, vous avez cette petite quête à débloquer sur la table de commandement. Oula. Inscription effigée par le temps. Le texte est irrégulier et emploie des formulations simplistes, mais il est intelligible. Autrefois, c'était un lieu sacré. Tout ce que craignait Othren, c'était la finesse du voile. Il connaissait le rite, nous n'avons pas posé de questions. Maintenant, je me demande quel esprit malveillant murmura à son oreille. Quatre voix poussèrent des cris semblables aux nôtres. La lame trancha chaque gorge et elles se turent. Le sang humain avait coulé comme le sang elfique avant lui. Du sang innocent. J'ai laissé les esprits s'emparer des corps, j'ai laissé les autres mourir. Ce n'est que justice. Avec mes dernières forces, je les ai scellées. Avec mes dernières forces, moi et Dolen, je déclare que nous avons eu tort. Pendant un moment, l'air est chargé d'une odeur de sang frais qui disparaît ensuite. Votre inventaire est plein déjà ? Merde alors, attends. Tu sais quoi, on va sortir. Et puis je vais vendre toutes les... Ah mais j'ai rien revendu de ce que j'avais en poche, je suis con. Ah bah voilà. Ah, je suis malin. Bon bah, tant pis. Parce que si je peux pas prendre l'épée, j'aurais l'air un peu con, hein, voilà. Alors, on retourne à Fort Céleste et on revend tout ce qu'on a en poche parce que voilà. Aïe 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 aïe, le fait il a deux balles. Alors, je vais juste voir un truc, moi. Attends. Je me suis trompé complètement moi sur certains trucs. Alors. Tableau de bord, gestionnaire de vidéo, alors juste une petite seconde s'il vous plaît.
Ouais, bah d'accord, pas de problème alors. On y va. Évidemment. Je vais revendre ici, comme ce sera plus simple. Est-ce que t'as une autre quête à m'envoyer, toi? C'est comment pour... Inquisitrice? Comment allez-vous? Les affaires sont bonnes? Dans cette forteresse dorée? Comment pourrait-il en être autrement? On discutera plus tard. Bien entendu, dame inquisitrice. On revend tout ça. Le bâton magicien, c'est quoi? C'est du dégât de feu? C'est une blague, et mon arme elle fait quoi comme dégâts? Non, j'ai rien dit, c'est de la merde. Au revoir. Alors, bâton magicien, garde de garde est, au revoir. H-pain, blabla, épée de garde d'honneur. Bouclier orlésien d'exception, non plus. Voilà, armure de mage de guerre renforcée. Au revoir, Vitard de Felandaris. Oh, Garchis, pareil. Masque du Grand-Duc. Ah là là. Il faut que je vérifie un truc sur les archives personnelles. Serra. Alors. Dextérité 75, ruse. Armure. Serra. Alors ensuite. Pas question de leur vendre. Ok, alors. Si. Qu'est-ce que je raconte? Allez, alors masque du Grand-Duc, ça je le garde. Chapeau résistant du Carthage, tac, 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 tac. La tenue habillée, on peut s'en faire nous-mêmes de toute façon, hein, c'est pas un problème. Alors ensuite, ceinture à potion améliorée. Tout ça. C'était avant, hein, ce brocheux. Alors, santé maximum 100%, valeur d'armure moins 100%, dégâts vers plus 2%, attaque 100, moins 50%. Saut du cochon, oh, c'est la merde. Voilà. Du coup, on retourne à Sulevin. Non, berceau de Sulevin. C'est où les tombes émeraudes, les berceaux. Attends. Lag. Temple perdu de Dirtamen. Il y avait encore des trucs là-bas pour que ça reste activé comme ça. On y va, on y retourne. Et on finit ce qu'on devait faire là-bas. Là, je bois un petit coup. C'était bien là, c'est bizarre parce que c'est à peu près au même endroit. Ouais, alors. Bonjour, bienvenue sur le live. Moi, il faudrait que je le trouve sur mon ordinateur parce que j'y suis pas. Je suis un peu malin, moi, de pas avoir fait attention.
Allez. Ah bah voilà. Trouvé. Ensuite, on continue. J'avais pas assez pour looter. Donc. Eh, salut Jennifer. Alors. Petite information, ce soir on va finir sur ça, sur ce temple, et après je lance The Witcher 3. Ensuite, demain, je ferai le marathon que je commencerai à 16h30, comme d'habitude. Et je finirai la quête principale de Dragon Age Inquisition demain. Et je commencerai les Crodacon dans le même coup. Alors bien entendu, les Crodacon, ça fera partie de la même playlist. Comme ça se perd pas, puis je vais pas faire... Ah. Je vais pas faire une nouvelle playlist extra pour ça. Ou alors peut-être que si. Je sais pas, j'hésite encore. Alors, des bâtons. Sinon, comment ça va, Jennifer? Tu vas bien? Tranquille? Tranquille ou sur un live? Y a rien de bien folichon là-dedans. Alors. Ah, Serra, c'est pour toi. Ah ben voilà. Alors, rune spirituelle supérieure. Ça, je l'avais déjà. Ah, fragment de mosaïque. Ah, j'ai toutes les mosaïques. Pouvoir aller voir le nain. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, il y a quelque chose là. Et les insectes ils se barrent par là. Ah c'est dégueulasse. Bon. Prenons. Et un nouveau revenant. Bon, ça se calme là. Je m'entends pas parler en plus. Alors, gardez PLN. Fragment Sourire retrouvé. encore, comme pendant le combat. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Le moindre sort vous rend blanche comme un linge. J'ai vu bien pire et je n'en ai pas fait cas. Eh ben désolé si j'ai peur de trucs dont toute ma vie on m'a dit de me méfier, comme la plupart des gens qui sont pas des chercheurs. Excusez-moi, je peux vous aider si vous voulez. Oh, non merci, j'ai d'autres chats à fouetter. Vous pouvez m'aider en restant devant moi. Je peux faire ça. Voilà. Alors, bienvenue sur le chat. On va aller là-dessous.
Ah, il y a un petit bug là. Ok. Feu voilé nécessaire, d'accord. Ah, d'accord, à chaque fois ça va gueuler. Bienvenue sur le chat. Les pièces. Alors vous noterez, à force de looter des, à force de revendre et de looter, j'en suis dans l'aventure déjà niveau 27, alors que normalement je devrais être niveau 25-26, et j'ai déjà 89 000 pièces d'or, ce qui est quand même dingue. Bougez vos fesses, merci. Voilà, fin. Lame d'épée Elven. Il ne manque plus que le reste, puis ça ira. Voilà. J'adore le radar, au moins tu sais ce que tu fais dans le noir. Attends, je vais juste vérifier un truc parce qu'il y a un truc qui me bug depuis tout à l'heure. C'est pas que ça me bug, mais. Ouais, en gros, si. En fait, ce que je cherche, c'est pour Serra, hein, parce que je cherche la différence. La défense à distance. D'accord, c'est vu, ça suffit, j'arrête de réfléchir. L'autre casque, je le donnerai à. À Varric. Qui a plus besoin de dextérité. Alors, toi, tu prends du la ruse. Et puis t'es joli avec ton masque, voilà. Tu fais pas chier, voilà. Alors. D'accord, il y en a là. Punisseur du Carta. Ah, j'ai vu un truc là. Je l'ai vu de loin. C'est génial. Alors, je suis pas encore passé. Je suis pas encore passé par où déjà? Il manque un endroit justement. Ah mais il est là en plus, mais quel con, je passais devant. Oui, c'était pas activé, c'est ça le truc en fait. Feu voilé nécessaire. Je te troll, tu me troll, je te tiens par la barbichette, blablabla. Là, les œufs, ça se revend. C'est pour les études à l'oasis, mais c'est pas très important.
peux monter par là. Non, même pas. J'espère que mon niveau, ça vaut le coup encore de... Oh, 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 et merde. À force de parler sans se concentrer, voilà ce qui se passe. Je me casse la gueule. On va aller de ce côté. Parce que c'est de ce côté que ça se passe. Bon, c'est pas mal. Voilà. Et voilà. Allez, meurs de façon... J'avais oublié la musique épique à la fin. J'avais déjà fait une fois ce temple. Alors, épée... Dagna trouvera peut-être un moyen de la réparer. Voilà, on va aller voir Dagna. Et quand j'aurai fini cette quête, je mettrai en place le live de The Witcher 3. Mal aux fesses à force d'être resté assis cet après-midi. En même temps, j'ai réussi à finir Borderlands 2, la quête principale. Il y aura les DLC, mais ça, ce sera pour plus tard et je sais pas à quel moment je vais commencer ça. De toute façon, vous aurez toutes les infos sur Facebook, Twitter, etc. Mais pas pour le moment. En attendant, je joue. Et puis dimanche, je ferai le programme. Puis vous l'aurez soit d'ici dimanche, soit ou lundi, le nouveau programme, puis on verra bien. Alors. C'est un test son là, parce que à chaque fois qu'on revient dans une nouvelle zone, le son bug. Alors, j'ai réussi à terminer. Vous avez entendu ce qu'ils ont fait avec le garde? Cet individu n'était pas un garde. En effet, et c'était là son crime. Pas du tout. Son crime est bien plus terrible que ça. Vous n'avez pas lu les rapports du front. Bon, Blackwood, je l'avais déjà jugé, hein. Forte pierre, inquisitrice. Vous connaissez les histoires que ces dalles sont censées représenter? Voilà, inquisitrice. J'ai noté quelques idées. J'espère que ça vous aidera. Alors ça, je les lirai ensuite. Hein. Je les lirai vers la fin du jeu. Je ferai certains codex. Alors il y a certains codex, ce sera une vidéo spéciale dessus. Parce que justement... Ça a à voir avec ça. Vous voyez, j'en ai rempli deux. J'ai rempli celle-là. Et c'est la première fois que j'arrive à en remplir deux, bon sang. Et j'ai fait celle-ci. Alors, Dagna, ouais, c'est pas ici, c'est par là. Puis les jugements, alors, on les fera demain, ou peut-être ce soir, je sais pas, en fait, parce que je vais faire une heure de... On verra, hein, d'accord? Enfin, bien sûr que vous êtes d'accord, c'est moi qui décide, de toute manière. Alors... On a trouvé une épée dans une ruine elfique. Vous pouvez en faire quelque chose? Ce truc tout cassé? On ne peut pas recoudre une épée. Le métal ne guérit pas.
tout est possible. Ce sera incroyable. Dagna, l'épée? Pardon. Elle est de bonne qualité. Je pourrais me servir des fragments pour faire le schéma d'une nouvelle épée. Moins cassée. Ces morceaux sont très... inspirants. Ce sera parfait pour vous. Voilà, alors j'ai la lame de Sullivan maintenant. Oula, alors attends deux secondes. À qui je la donne? Elle a déjà Caliban. Et Blackwall, il a quoi? Et je m'entends dans l'ordinateur en train de gueuler, ça fait un peu bizarre. Attends, il y a 279. Mais je regarde même pas le nombre alors, à côté. 200, ouais. Pour toi. Alors, l'âme de Sullivan. Sullivan signifie but en elfique. Pour les Dalassiens, ce but est de trouver une nouvelle patrie. Les archivistes rassemblent le savoir ancien et s'en servent pour forger les armes d'une guerre à venir visant à conquérir leur patrie ou à la défendre. Alors. Oula vache, c'est une. D'accord, c'est une lame à deux mains. Allez. Vous savez quoi? Je vais quand même vérifier un truc avant. C'est, je suis chiant, hein, je sais. Mais Iron Bull, attribut, constitution 43, ça me le ferait. Aïe aïe aïe. Et vous savez quoi? Je vais quand même revérifier un truc. S'il a assez de santé, ça va aller. Alors, Iron Bull. Iron Bull, c'est toujours le premier à côté de moi. Il a 146 de santé, ou c'est bon, je vais lui mettre l'arme. Alors, l'âme de Sullivan, tu mets ça, et tout le monde est content. Ensuite. La lame de Sullivan, est-ce qu'elle peut avoir, s'il te plaît, pardon, équiper, pourquoi je peux pas, mais bien sûr, parce que j'ai tout qui est à l'intérieur. Inventaire, non pas inventaire, la réserve, merci, il me faut une rune. Une rune de feu, tiens, je lui fous tout dessus. Ça va être génial. Alors attends, je peux pas lui mettre mieux en rune de feu. Rune de feu supérieure, ouais. Donc Iron Bull, évidemment je suis en dessous, alors je pourrais faire en haut. L'âme de Sullivan, la rune de feu, ça passe de 306 à 318. Voilà, comme ça elle est métal. Attends une minute. Iron Bull, est-ce que je l'ai mise ou est-ce qu'il l'a accepté? Est-ce qu'il l'a pas accepté? Pourquoi il n'a pas accepté de mettre la rune? Je comprends pas. Ouais, parce que j'avais pas accepté, voilà pourquoi, quel con. Alors, on va vendre les trucs, puis on va... Alors, ça c'est un gros, je vais vous montrer ce que c'est. Un Isksatakatas, blablabla, un Isksatakas, ça casse, ouais, parce que c'est un gros marteau. Puis du coup, verdict. On la garde. On sait jamais. Voilà.
Voilà. Alors, ensuite. Moi je vous dis à tout à l'heure pour le live de The Witcher 3. Je vous dis à très bientôt donc dans d'ici 2 minutes. Pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à tout à l'heure. Au revoir.